La vitesse moyenne d'une voiture est de 84 km par heure. Calcule la distance que la voiture va parcourir en un temps de 5h30 minutes. Alors, la distance, c'est combien? La distance t, c'est la vitesse v multiplié par le temps t. D, la distance égale à v, la vitesse multipliée par t qui est le temps. Ça, tu dois l'apprendre par cœur. La distance égale à la vitesse multipliée par le temps. D'accord? La vitesse, c'est combien? La vitesse, c'est 84 km par heure. Le temps, c'est combien? 5h30 minutes. Donc, nous avons la vitesse V égale 84, d'accord, kilomètres par heure. Le temps, c'est 5 heures 30 minutes. D'accord. Bien. D égale à V multiplié par T, où V, c'est la vitesse 84 km par heure, et T, c'est 5h30 minutes. D'accord, 30 minutes. Alors, comment on va faire? Regarde, ici, T égale 5h30 minutes. Donc, il faut tout d'abord convertir les minutes en heures. Comment on fait? Regarde, nous avons 60 minutes. C'est combien en heures? C'est une heure. 60 minutes, c'est une heure. Nous, on a besoin de savoir combien égale 30 minutes. 30 minutes égale combien? Pense, allez, pense. Regarde, 66 pour obtenir 30, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé par 2. 60 divisé par 2 égale 30. Tu divises la même chose ici. Une heure divisé par 2, ça donne combien? 1 divisé par 2, ça donne combien? Un demi, c'est combien? Tu sais pas? Si tu sais pas, tu fais la division. Regarde, tu fais 1 divisé par 2. 1 divisé par 2, 1 est inférieur à 2. Donc c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Ici, tu fais comme si il y avait 0. D'accord, tu fais descendre 0 ici. 10 divisé par 2. Quand on baisse 0, regarde, on doit faire la virgule ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 10 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 2, c'est 10. Tu mets 10 moins 10 moins 10, c'est 0 et le reste 0. Donc 1 divisé par 2 égale 0,5 et le reste 0. C'est pour cela qu'on dit 1 demi. 1 demi. 1 divisé par 2. 1 demi. 1 divisé par 2. 1 divisé par 2 égale à 0,5. 1 demi. 1 demi. 1 divisé par 2. 1 demi. Donc c'est 0,05.
virgule 5 heures. D'accord? Et après, tu fais la somme. Donc, nous avons T égale 5 heures plus 30 minutes. 30 minutes, c'est 0,5. 5 plus 0,5, c'est combien? Si tu sais pas, allez vite, tu fais l'opération. D'accord, tu fais, on va enlever ça, supprimer tout ça, et on fait notre opération. 5 plus 0,5, 5 plus 0,5. Tu fais l'autre, ton opération, regarde. Ça, c'est comme s'il y a 0. D'accord? 0 plus 5, c'est 5. Là, il y a virgule, tu mets virgule. 5 plus 0, c'est 5. Donc, 5 plus 0,5, c'est 5,5. Et là, tu mets 5,5 en heure. Donc, le temps, c'est 5,5 heures. D'accord? Maintenant, nous avons D égale la vitesse qui est 84 multipliée par le temps. Le temps, c'est 5,5 égale. Allez, si tu ne sais pas, tu fais ton opération ici. On va supprimer ça. On fait notre opération. 84 multiplié par 5,5. Égale. Alors, 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 20. Tu mets 0, tu gardes 2. 5 fois 8, 40. Plus 2, c'est 42. Maintenant, tu oublies la virgule, d'accord? Tu mets point ici, et tu fais la même chose. 5 fois 4, c'est 40. 5 fois 4, c'est 20. Tu mets 0, tu gardes 2. 5 fois 8, 40. 42, c'est 42. Tu fais la somme. 0 plus 0, c'est 0. 2 plus 0, c'est 2. 4 plus 2, c'est 6. Ça, c'est comme c'est 0. 0 plus 4, c'est 4. Et tu comptes maintenant le nombre des chiffres après la virgule. Combien nous avons de chiffres? Seulement 1. Et là, tu comptes 1 et tu mets ta virgule. Regarde, virgule sur virgule. 462,0. C'est la même chose. Quand on a 0 après la virgule, on ne le compte pas. C'est 462. Et on écrit 462. Donc, la distance est 462 kilomètres, la distance en kilomètres. D'accord?